Good morning, Aleiden, les tutos aujourd'hui, le lundi matin, moi, Yona Ben Khana, Peggy Bat Esther, et Nissim Ben Aguda. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions un secret à vous d'Azara, Perek Aleph, Mishnah Gimel, Ve Eilu Eidehem Shel Goim, Kalenda, Ve Starnura, Ve Kar, Ve Kratesim, Ve Yom Gnusio Shel Melachim, Ve Yom Aleida, Ve Yom Hamita, Divrei Rabbi Meir. והחכמים אומרים, כל מיטה שיש בה שריפה, יש בה עבודה זרה. ושאין בה שריפה, אין בה עבודה זרה. יום תגלחת זקנו ובלוריתו. יום שעלה מן הים, ויום שיצא בו מבית האסורים. וגוי שעשה משתה לבנו, אינו אסור, אלא אותו היום ואותו האיש בלבד. On rappelle d'abord ce qu'on avait appris dans les deux premières Mishnayot, c'était le même sujet en fait, que lorsqu'un goy idolâtre a prochainement une célébration dans sa religion, alors durant les trois jours qui précèdent, on ne pouvait plus faire de grandes affaires avec lui. On reviendra dessus dans la prochaine Mishnah, on parlera d'un petit détail, mais en tout cas on ne peut plus tellement faire des affaires, de peur que... Si on va faire des affaires, il va se sentir fier et heureux, il va partir ensuite reconnaître, exprimer sa reconnaissance à sa Avodah Zarah, et en cela on transgresse l'interdit, non pas de mettre une embûche devant un aveugle, mais plutôt l'interdit de Veloi Shamal Picha, on n'a pas le droit de faire, de contribuer à ce que le nom des idolâtries soit grandi. Maintenant, on a dit que chaque célébration, trois jours précédemment, quelles sont ces célébrations? Alors la Mishnah va nous préciser. Ve'elu eidehem shel goyim. Telles sont les célébrations des goyim. Il y a deux fêtes qui sont liées qui s'appellent Kalenda Vestarnura. On ne va pas les traduire, même s'il y a quand même une certaine similitude. Ça, c'est rapporté par le Tiferet Israël de manière générale. Le Tiferet Israël, il adore faire des similitudes avec l'histoire. Il trouve des rapports. Il a une petite tendance comme ça à apprécier ça. Il rapporte, c'est un peu lié au Kalenda. On a en latin. Calendrier, vous voyez qu'il y a la même idée. Ça se passe comme ça. Bartendra rapporte déjà que Adam Rishon, il a commis sa faute, et puis ensuite, il a vu doucement, et il a été créé en Tishri, il a vu les jours se raccourcir, jusqu'à qu'il est arrivé vers la fin de la Tkufat Tevet, la saison, en fait ça correspond au 21 décembre, en réalité, la Tkufat Tevet, je crois, plus ou moins, ouais. Il a vu, donc plus il avançait, plus il approchait en fait le mois de décembre, puis il avait l'impression qu'elle allait être punie, que plus jamais le jour n'allait se relever. Il est arrivé dans les 8 derniers jours de la Tkufat Tishrei, qui se termine donc avant Tevet, d'accord, en fait vers décembre, et il s'est mis à jeûner pendant 8 jours, à jeûner et à prier. Et puis voilà que est arrivée la Tkufat Tevet, c'est la une des 4 saisons, il y a Tkufat Nissan, Tammuz, Tkufat Tishrei et Tkufat Tevet. Et il a vu que finalement, les jours se rallongeaient. Alors il a compris que c'était un cycle naturel du monde. Et du coup, il a célébré durant 8 jours supplémentaires. Donc en fait, il a eu 8 jours de prière. Et puis ensuite, 8 jours de célébration, de fête, de reconnaissance à Hachem sur le cycle naturel qu'il a instauré. Et durant ces 8 jours, ensuite, tous les ans, l'année d'après même, il a fait que les 8 jours de jeûne, c'était devenu aussi 8 jours de fête. Ou peut-être le 8e qui débute, en fait, cette série de 8 jours, je ne sais pas exactement, c'est pas assez précisé. Et puis ensuite, les 8 jours qui suivent aussi, 8 jours de fête. Ça, c'est Adam Rishon qui faisait une séouda de reconnaissance à Hachem. Ses enfants l'ont vu, ont continué, et puis, doucement, on a gardé la forme, on a perdu le fond. La forme, c'était de faire une fête, le fond, c'était de reconnaître Hachem. Ils sont venus plutôt reconnaître aux idoles et au soleil. Et du coup, c'est devenu des fêtes d'idolâtrie. Et ça a été perpétué ensuite. Le Tiferet Israël rapporte un petit peu plus que les Romains, en fait, ont repris un petit peu cette fête. Ceci mentionné dans la Gemara. La Gemara raconte plusieurs histoires très moches, d'ailleurs, de célébrations romaines. C'est les descendants des Saves. Ils exprimaient durant ces jours des vengeances avec les Bnei Israël, des choses atroces à lire. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et en tout cas, du coup, si vous faites attention, ça correspond tout à fait à, en fait, le 1er janvier. C'est 8 jours après cette fameuse Tkufat Tevet, plus ou moins, pas exactement. Mais en tout cas, ça fait que le 1er janvier, en fait, il est établi en tant que jour où les jours recommencent à se rallonger, en fait. Parce que lorsqu'on arrive à la Tkufat Tevet, c'est le 21 décembre, c'est le jour le plus court
de l'année, mais ça prend quand même quelques jours avec la même shkia à Jérusalem, c'est en général 4h40, on sait très bien parce que c'est le moment où on allume la katnerot de Hanouka, donc on fait très attention à la shkia. Je sais qu'en général c'est toujours 4h40 la shkia la plus courte, 39, 40, je sais plus, en tout cas, et après ça redémarre. Et donc lorsque ça redémarre, ça correspond en fait au 1er janvier, ils font une célébration d'idolâtrie. Et de ce fait, 3 jours avant, donc avant chacun de ces jours, qui s'appelle Kalenda ou Star Noura. Donc Kalenda, c'est le début lorsque les jours commencent à se rallonger, c'est ce qui correspond en fait éventuellement au 1er janvier si on écoute le Tiferet Israël. Et Star Noura, c'est par contre lorsque les jours diminuent, comme ce qu'on a dit, que l'année d'après, la première année, Adam Arishon a jeûné, la deuxième année, puisqu'il a réalisé que c'est un cycle naturel du monde, du coup, il a fait que les jours de jeûne, c'était devenu des jours de festivité. Et du coup, c'est devenu que là aussi, Star Noura est devenu une fête aussi, au fil du temps, c'est devenu une fête d'idolâtrie. Star Noura, si ça vous intéresse aussi, il y en a qui rapportent Star, en araméen, c'est de côté. Noura, c'est le soleil. C'est lorsque le soleil est mis de côté, c'est le jour où le soleil est le moins longtemps dans le ciel. Star Noura, le soleil, il est de côté. D'accord, Noura, ça veut dire le feu. Star, c'est de côté. Et voilà. Ou Kratesim. Alors Kratesim, c'est le jour où Rome a vaincu la Grèce. Si vous connaissez l'histoire, il y a eu, ça a rapporté, on a évoqué l'année dernière dans 5 minutes, on a rapporté quelques faits, comment ça s'est passé en fait. C'est la Grèce qui dominait sur le monde entier, et même en Israël, jusqu'à ce que les Romains ont pris le dessus, puis après on est passé sous domination romaine. En tout cas, le jour où les Romains ont vaincu la Grèce, ils ont célébré, c'est devenu un jour, et c'est un jour de Avodah Zara, où ils reconnaissaient à leurs idoles. Et de ce fait, 3 jours avant, donc, on ne fait plus de festivités. On ne fait plus de commerce avec les goyes, de peur qu'il va les reconnaître à sa Avodah Zara. Veyom Genusia Shel Menachim. Alors, Yom Genusia Shel Menachim, c'est le jour où on va nommer, où le roi a été désigné sacré roi. Et c'était un jour d'idolâtrie, étant donné que le peuple entier voyait en le roi un envoyé de leur idole, pour leur divinité, pour régner sur eux. De ce fait, c'était un jour de Avodah Zara, et donc 3 jours avant, chaque année, ils fêtaient cet événement, et 3 jours avant, on n'avait plus le droit de faire du commerce avec eux. Veyom Hamita est le jour où le roi meurt. Et là, on va continuer tout de suite dans la Mishnah avec un détail important. On va tâtonner tant bien que mal, parce que je suis pas un grand maquis dans l'idolâtrie en fait. J'ai pas étudié tellement le sujet avant de présenter les cours d'Avodah Zara. Il y en a dans la Gemara, je l'ai étudié il y a quelques années, mais c'était un peu flou tout ça. En tout cas, on reste sur ça. Donc, Veyom Amita, le jour où il est mort, c'est d'Ivra Rabbi Meir. Tel est l'avis de Rabbi Meir. Mais Chachamim, ils viennent et ils nous apprennent comme ça. Chachamim, Kol Mita, ça dépend. Kol Mita, chez Yeshba Sreifa, Yeshba Avodah Zara. Mais chez Enba Sreifa, Enba Avodah Zara. Si, lorsque le roi décède, on brûle tout ce qu'il a, il y a un usage comme ça, que le roi qui décède, on brûle tous ses ustensiles. Alors là, dans ce cas-là, ça signifie qu'en fait, on considère que c'est une sorte de divinité qui est montée quelque part dans le ciel, ou je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent croire comme bêtise. En tout cas, c'est pour cela, ça témoigne qu'il célèbre ça comme une divinité, donc il y a un jour de Avodah Zara en ce fameux jour-là. Tandis que, Veshe'en Baserifa, si c'est un jour où juste le roi il est mort, on a fait une grande raison funèbre, on l'a enterré, alors dans ce cas-là, En Bavodah Zara, ce n'est pas un jour de Avodah Zara, tandis que Rabbi Meir, donc on vient sur le début de la première partie de la Mishnah, juste avant, Rabbi Meir considère que n'importe quel roi qui décède, ses serviteurs en font un jour de Avodah Zara. Ok ? Jusque-là, on a appris tous les jours qui sont considérés les jours de Eidehen, les grandes célébrations des Goïm, qui sont des célébrations national du peuple entier. Par contre, Yom Tiglachatchka, maintenant, on va apprendre, si j'ai introduit d'abord, on va apprendre qu'il y a maintenant une série de jours où il y a une certaine reconnaissance à la voix d'Azara, mais qu'il n'y a plus la même ampleur. Ça devient plus personnel, chacun selon sa vie privée. De ce fait, ils vont certes célébrer un jour de la voix d'Azara. Dans ce cas-là, il y aura des restrictions, mais moins. Qui sont ? Tout simplement, on peut le dire tout de suite, il y aura un seul jour qui sera interdit. Le jour même de la célébration, ce sera interdit, mais 3 jours avant, ce ne sera pas aussi important au point où on va interdire. C'est uniquement le jour même, parce que là, on va craindre qu'il va se mettre à reconnaître sa Avodah Zara. Yom Tiglachat Zkano ou Blorito. Le jour où il se rase la barbe, ou Blorito, c'est sa Blorit, ça correspond à la touffe de cheveux. Sa touffe de cheveux. Il y en a qui rapportent que c'était plus derrière. Soit, c'est le même principe en tout cas, il y avait un usage païen de laisser pousser les cheveux et la barbe,
Et puis vient le grand jour où, en l'honneur de leur Avodah Zara, ils vont se raser. C'est un peu comme les Havdil, Elef Havdalot, la Chalaké qu'on fait aux enfants. On attend les 3 ans et puis maintenant on le fait rentrer dans l'Avodah Hashem. Et alors eux, ils faisaient le contraire, que c'est Yom Tigel Chazkano, c'était même quand ils étaient plus grands. Le jour où maintenant, ils vont décider de se raser la barbe en l'honneur de sa Avodah Zara et ses cheveux en l'honneur de l'Avodah Zara, c'est une sorte de baptême apparemment. Et puis, ce jour-là, c'est un jour de célébration, donc lui-même, il va fêter la Avodah Zara. Et chaque année, il va célébrer cette même date. Alors, dans ce cas-là, ce sera un jour où on ne pourra plus faire de commerce avec lui, tandis que ce ne sera pas interdit 3 jours avant. Yom She'ala min hayam, idem aussi. Si le jour où il est arrivé de haute mer, il était parti en haute mer, bien sûr, en haute mer, il y a des sakanotes, il peut peut-être couler, il a réussi à atteindre le littoral. Alors dans ce cas-là, ça devient pour lui un jour de reconnaissance où il va apporter des sacrifices à sa Avodah Zara. Donc ce jour-là, on ne fait pas de commerce de peur qu'il va remercier sa Avodah Zara, qui l'a même ensuite aidé à conclure l'affaire aujourd'hui. Mais 3 jours avant, il n'y a plus d'interdit. Ve'yom sheyatza bo mi bet ha'asurim, idem pour aussi le jour où il est sorti de prison. Ve'goy she'asa mishte livno, et aussi le jour où le goy a fait un mishte livno. Il a eu un enfant. C'est pas assez précisé là, c'est même plus du tout précisé si je me trompe pas. J'avais même pas fait attention. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout précisé. Aucun Mefarech n'explique ce qui s'est passé. J'imagine, si je compare avec le Moussag, que dans la Torah on sait bien, il y a quelqu'un qui a fait un Mishtel Ivno, c'était Avraham Avinu. Après avoir attendu longtemps un enfant, finalement il a eu un. Il a eu Yitzhak, et lorsqu'il a eu Yitzhak, il a attendu qu'Yitzhak devienne assez grand, et puis ce jour-là, il en fait ensuite un grand Yom Mishtel Ivno. Un grand jour de reconnaissance. Alors apparemment chez les Goyim c'est un peu le même principe, je suppose, les Havdil, Ben Akadosh, Latame, lorsqu'il a attendu peut-être longtemps un enfant, je ne sais pas pourquoi, en tout cas vient le jour où il décide de faire la grande fête pour son fils, et dès lors cette date devient chez lui dans son calendrier personnel un jour de festivité, donc chaque année à la même date, durant un jour, comme ce que la mission conclut, Eno Asur Ela Oto Hayom Ve Oto Haish Bilvad. Il n'est interdit que pour cette même personne, et ce même jour-là, et cette même personne uniquement. Tandis que son frère, ça va, on pourra faire du commerce avec lui, ses parents aussi, apparemment, et voilà. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.